Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est tout simple, si j'arrive à mettre ma flèche dans le milieu de la cible, il y a un feu d'artifice qui explose, c'est incroyable. Et je vais devoir partir d'ici. Les gars, on a galéré à faire ce petit système pour que dès que je touche le centre, ça fasse exploser le feu d'artifice. Pour pas que ce soit trop long pour vous et pour moi, parce que le but c'est pas d'être un champion de tir à l'arc, mais juste de faire exploser un feu d'artifice grâce à une flèche. On a mis des niveaux ici. Et si jamais ça devient trop long, hop, j'avance ici. Et peut-être qu'à la fin, je vais devoir me retrouver ici. Ça sera franchement ridicule, j'espère qu'on va pas en arriver là. Mais c'est parti les gars. Ouais, je pense que ça va demander un peu de travail. Oh, on est pas loin les gars. Cette vidéo, ça se trouve, va prendre 2 minutes à faire. Oh putain. Tu vois, heureusement que j'ai mis une planche parce qu'en fait, on a couvert le feu d'artifice. Je me suis dit, attends, ça se trouve, à tout moment, je vais toucher le feu d'artifice. Et Pio, qui me cadre, il m'a dit, mais non, c'est impossible. T'as vu? Dans les commentaires, tout de suite, dites-moi à votre avis, combien de temps je vais passer à faire ça. Les gars, je peux à peine le chatouiller et le feu d'artifice, il explose. C'est quand même fou de se dire que ça, là, t'appuies dessus, il y a un feu d'artifice qui se déclenche. Je le sens bien. T'imagines, il y a quelqu'un qui passe. Oh, donne-moi là. Il est comme ça. C'est pas drôle. Je déteste les gens qui font ça, mais je vous le dis vraiment parce que c'est sérieux. Les gars, la pointe, ça peut transpercer quelqu'un. Donc faites pas ça, tout simplement. Allez, tu sais quoi, pour vous montrer que je suis un tireur d'élite, et juste pour mon plaisir personnel, vous voyez ce gros ballon jaune là-bas qu'il y a là? C'est rempli de confettis. C'est beaucoup trop stylé. Ouh, hey. Oui. Les gars, Tristan a déjà fait une flèche dans une flèche. Vous avez pas vu la vidéo, allez la voir, c'est le frérot. Imaginez juste que dans cette vidéo, il se passe vraiment ça, alors que c'était pas le but. Oh, là, on commence à parler sérieux, là. Ouh. Oui. En vrai, premier degré, ça me ferait chier si je le réussis tout de suite. Les gars, d'ailleurs, on l'avait déjà fait avec des dominos. On avait fait exploser un feu d'artifice avec 2000 dominos. Et justement, c'est une nouvelle série d'épisodes que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Donc là, c'est avec un tir à l'arc. Et le prochain, ça va être à vous de décider dans les commentaires. J'hésite entre eux. Soit le faire avec un panier de basket milieu de terrain. Et si elle rentre dans le panier, ça va activer un feu d'artifice à l'extérieur. Incroyable. Ou alors, golf. La balle, elle tombe dans le trou, ça active. Oh là là, le golf, les gars. C'est pour ça, abonnez-vous à cette chaîne. Suivez bien. Parce que les gars, c'est une dinguerie. Les gars, en fait, c'est pas juste la mettre au centre, c'est vraiment la mettre au centre, au centre, au centre. Parce qu'en fait, sinon le truc il s'active pas. Ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Là, dans ma tête, je me suis dit carrément, déjà, en fait, ça va prendre plus de temps que prévu, putain de merde. Je vais devoir charbonner. Mais bien, celui-là, il est pour toi. Okay. Regarde bien à quel point je suis méga chaud. Je vais tirer et je vais fermer les yeux. Regarde bien. Je vise même pas, hein. Regarde. Oh. Allez, parti où? Je ne fais plus ça. Oh putain, elle est là. Regarde, elle s'est plantée dans l'herbe. Oh, tu m'as fait peur, putain, t'es malade. Et plus le concept va avancer, et plus je vais dépenser cher dans les feux d'artifice. Parce que là, c'est un feu d'artifice à 30 euros, les gars. Les gars, s'il y a 10 000 likes sur cette vidéo, j'achète un feu d'artifice à 100 euros. Il y a 20 000 likes, 200 euros. 30 000 likes, 300 euros. Je vais rajouter un petit zéro là. Oh, mais ça, c'est une blague. Là, j'ai mis là, là, mais faut aller là, les gars. En vrai, je suis pas mauvais à tirer à l'arc, hein. Enfin, ouais. Wow! Regarde bien à quel point je suis fort, je vais mettre la flèche dans ton sourcil. Ne lâcher. Ouais, hein, maintenant, à partir de maintenant, on rigole plus. Il n'y a plus de rigolade, de divertissade, de tout ce que vous voulez. On va se mettre à fond et cette fois-ci, je vais le faire péter ce feu d'artifice. J'adore, hein, c'est super agréable ce qui se passe. Putain, mais je comprends pas. Je suis trop sur les côtés. Je suis pas assez dedans. Faut vraiment me mettre dans le centre du centre. C'est possible de faire ça ou pas? En fait, je saurais viser, ça irait. Oh, ça y est, c'est bon, j'ai le truc. Putain, presque. Oh, non mais quoi? C'est une blague. Je l'ai défoncé. Je crois que j'étais au centre, hein. Le centre aéré. Ça casse les couilles, la pluie, elle est là maintenant. Mais c'est une blague! Je l'ai démonté le truc! Regarde! Ça a tapé la vis! Carrément pété ma flèche! Parce qu'en fait, il y a des vis derrière le truc. J'ai réussi à mettre une flèche dans une vis. À quel moment je dois être plus précis pour allumer un feu d'artifice? Non, mais sérieux. C'est quoi? Je vais le mettre là. Voilà, t'en veux plus? T'en auras plus. C'est bon, au bout d'un moment. On a assez joué tous les deux, on a assez rigolé. C'était marrant. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, les gars. Putain! Tu sais quoi, je me ravance. On se ravance. Ils veulent que ça, l'explosion. C'est ce qu'on attend tous. C'est ce qu'on veut tous, putain. Et je vais exploser la gueule. J'ai cru. Regardez-toi sur le côté. Non mais c'est exceptionnel ce qui se passe dans cette vidéo. Oui, j'ai planté la flèche à deux endroits différents. Putain. Je suis dans la télécommande. Oh, regarde ça. Je suis dans le 12. Putain, pourquoi on n'a pas accroché dans le 12? Pourquoi on n'a pas accroché le 8, les gars? C'est une télécommande avec plusieurs chiffres. Et nous, on a mis le 8 et je suis rentré dans le 12. Regardez, les gars. Tu vois la flèche? On la voit bien, là. Alors on se le dit quand même, au début je devais être sur une forme qui était comme ça, ça allait. Ensuite on s'est rendu compte qu'il fallait un endroit précis. Ensuite on se rend compte qu'il faut aller sur un chiffre précis, tu dois faire vraiment 1 mm. Pour échouer le roi du monde quoi. Putain, allez! Dans le 12 encore, non mais c'est improbable!
Dan, c'est nul. Ah ouais? Ah oui, c'est nul. Regarde, c'est la dernière flèche qui me reste. Putain. Putain! Là, c'est même plus, je veux que ça prenne du temps, c'est que je veux que ça le fasse. Et s'il pleut trop, le feu d'artifice sera trop mouillé. Et si c'est trop mouillé, pas de feu d'artifice. Et si c'est pas de feu d'artifice, pas amusant. Et si c'est pas amusant, bah. Pas vidéo. Voilà, pas de vidéo. Putain, il pleut bien. Ça fait peur, putain! Putain! Oh, waouh! Je suis dedans? Non. Non, la musique épique à la mort! Là, on vient de réparer le système. Donc là, dès que je touche ici, logiquement, on a testé, c'est bon. Maintenant, à partir de maintenant, je rigole plus. Non, mais quoi? C'est une blague! Putain! Oh! Oh, les gars! Let's go! Je suis dans la gueule. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu de cette vidéo. Abonnez-vous. Et si vous voulez voir d'autres concepts où j'allume un feu d'artifice grâce à des activités, mettez-le moi dans les commentaires, les gars. Méga dinguerie! Let's go! Vas-y.